est dans la savane. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans la savane. Mais c'est bien lui que nous avons vu. Comment est-ce possible? Il aurait quitté ses amis de la jungle? J'y réfléchis depuis si longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé. Je comprends. Tu veux retrouver la terre de tes ancêtres? Maintenant que tu es adulte, si tu veux bien, je viendrai avec toi. Oh, la hyène aussi est dans le coin. Je ne sens pas l'odeur de Simba. Et pourtant, il est passé par ici il n'y a pas longtemps. Oh, ils viennent chercher quoi par ici? On était si tranquilles. Ils reviennent. Cachons-nous. Bébé, je suis là. Tu n'as pas le droit de rester ici. Il est à moi. Je l'ai vu la première. Achille. C'est moi la première qui ai découvert Marteuse, tout. Non, Marteuse, je veux y faire mon lit, je veux le faire. Ça m'est égal que tu me cherches quand même. C'est moi qui ai découvert ce trou. D'ailleurs, j'y étais déjà rentrée. Et tu es arrivée bien après. Fiche le camp d'ici et va t'installer dans le trou qui est plus haut. Tu n'as qu'à y aller toi, là-haut. T'as du culo, je ne bougerai pas d'ici. Ah, cessez de vous disputer, il y a deux trous. Oui, mais c'est le même trou qu'on veut. Je suis arrivée la première. Ça alors? Tâchez donc de vous entendre. Quand vous aurez vos petits, la plus vive de vous deux ira moi, prêter main-forte à sa voisine. J'ai toujours eu de très bonnes idées de pouvoir s'entraider. Simba deviendra un grand chef. Il a de bonnes idées. Oh. Alors je viendrai dorloter tes petits oisillons. Et moi les tiens, d'accord. C'est terminé. Bravo. Et maintenant, poursuivons notre course. Qu'en dis-tu? Il a été fantastique, je trouve. J'ai un message. Le grand maître veut parler à ses alliés ce soir sur son rocher. Vous devez tous venir, sinon, gare à vous. Toujours des gardes. Du calme, vous le saurez ce soir. Silence! Majesté, il y aura sûrement bataille et il faudra que nous y prenions part. Vous êtes très courageuse, mais il n'y aura pas de bataille. Contentez-vous de prévenir nos amis. Transmettez-leur le message au moyen de vos antennes. Ah! Comment? Le tigre a décidé de déclencher la guerre contre Simba. Et pourtant, celui-ci est encore bien jeune. Il faut le faire savoir à tous. Message important. Le tigre va déclencher la guerre contre Simba. C'est incroyable. Ce message me parvient de sources sûres. Quel toupet! Qu'il essaye de s'y frotter, le tigre, il verra. Il va avoir affaire à nous tous. C'est certain, ce sacripant mordra la poussière avant de savoir ce qui se passe. Il va jouer au plus malin et au plus fort. Il sera surpris. Oui. Ah, vous voilà enfin, Simba et Bimbo. Quelle nouvelle? Imagine-toi que Shere Khan va te déclarer la guerre. Il va savoir ce que veut dire l'expression « qui s'y frotte s'y pique ». Par qui l'avez-vous appris? Oui, par qui donc? J'ai reçu un message qui m'a été envoyé par Sa Majesté, la Reine des Fourmis. Il a décidé de te chasser de la jungle. Oh, je vois. Oui, le message a été diffusé en morse dans tout le pays. Le tigre a déclaré qu'il allait passer à l'attaque pour être proclamé roi de la jungle. Oh, t'as entendu? Et le tigre a toujours eu des idées de grandeur. Je suis heureux de voir que vous venez aussi défendre Simba. Je vous félicite pour votre courage. Il va avoir besoin de nous. Fais attention, Simba. Tu dois entrer par cette porte qui s'ouvre devant toi.
Entre, n'aie pas peur. Avance, tu ne le regretteras pas. Regarde, regarde de tous tes yeux ce manteau qui s'avance vers toi. C'est le manteau sacré que seuls les rois de la jungle ont le droit de revêtir. Il est digne de toi, tu es digne de lui. Oh, pourquoi moi? C'est un manteau magique qui rend invisible celui qui le porte et qui protège aussi ses amis dans un rayon de 10 mètres. Ce manteau te protégera jusqu'à ce que tu arrives dans la savane. Mais alors, il perdra toute sa force magique. En outre, il faut que tu me le rapportes quand tu auras atteint ton but. Mais pour qu'il agisse efficacement, tu dois lui en donner l'ordre. Vous avez l'air surpris, mes amis. Quel est donc ce manteau qui te couvre le dos? Qu'il est beau! Ah oui. Je parie que c'est le manteau du roi de la jungle, pas vrai? C'est un manteau magique qui nous sera utile à tous. Je suis invisible avec ça. Je veux monter sur ton dos pour le voir de plus près. Il est beau, n'est-ce pas? Oh, oui alors. Et qui t'a fait ce cadeau précieux? Mais voyons, ce ne peut être qu'Arbor. Eh oui. Merci Arbor pour nous avoir offert ce véritable trésor. Au nom de tous, je viens te remercier pour ton beau cadeau. J'espère qu'il vous sera très utile pour conduire Simba dans la savane. Arbor, nous te vénérons, tu es un grand roi. Oh! Alerte, alerte, les singes et les buffles arrivent! Oh! Ça, c'est sidérant! Oui, les voilà, et ils foncent droit sur nous! Il va falloir se défendre. Courage, vous allez pouvoir vous servir du manteau magique. Venez, suivez-moi tous! Ralliez-vous tous à ce manteau rouge, offert par Arbor. Oui, en avant! Merci, Arbor! Les voilà! Ils vont nous attaquer! Ils vont nous rattraper! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des vautours! Il faut les cerner si on veut les attraper! Sauf qu'il faut! Ils peuvent toujours courir, mais nous allons quand même les attraper! Faut pas trop attendre. Oui, arrêtez-les! Grand maître, les singes vont les arrêter. Oh, cette fois, ils nous ont encerclés. Vous ne nous échapperez pas, nous vous tenons. Cette fois, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes coincés. Par ici, venez. Dépêchez-vous! Rattrapez-les! Oh, ma balle! Oh! Venez tous vous réfugier sous mon manteau! Allez! Tu peux
toujours te frotter les yeux. Voilà, je crois bien que je vais me faire disputer. Ah, on les tenait presque et tout d'un coup, ils ont disparu. Le grand maître va être furieux. Il n'admettra pas qu'ils aient disparu. Non. Attrapez-les. Quoi? Hein? Mais j'ai pourtant pas la berlue. À l'attaque! Donnons-leur une leçon! Est-ce que vous êtes tous devenus fous, hein? Ah, allons-nous-en, ça suffira pour aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont drôles? Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Qu'est-ce que vous faites, bande d'idiots? Non, maître, nous les tenions à notre merci, mais ils ont disparu tout d'un coup. Quoi? Disparu? Oui, volatilisé. Tu es une andouille! Grand maître, venez, il y a des traces, ils ne sont pas loin. Et j'ai raison, hein? On les a trouvés, les traces se dirigent vers la montagne. Va prévenir les vautours d'en haut, ils les repéreront mieux. Votre grand maître. Je n'en peux plus, moi. Je suis pas fait pour grimper dans la montagne. Je sais. Il va faire nuit. On va s'arrêter par ici. Oh, même moi, j'en peux plus. Pourtant, les ours aiment la montagne. Cherchons une grotte. Oui, ce serait idéal pour pouvoir passer la nuit. Ah, j'ai surtout faim. Et j'ai sommeil aussi. Je vais partir en reconnaissance. Ne bougez pas. Simba, ne nous abandonne pas. Tâche de revenir très vite. Quoi? Tu as peur? Non, non, je sais bien que tu reviendras. J'en doute pas, mais dépêche-toi quand même. Un peu de miel, ça serait bien. Tu crois qu'il y a des ruches par ici? Ça, je ne crois pas. Il serait peut-être plus prudent de nous laisser le manteau magique. Qu'est-ce que tu as, Simba? Tu fais une drôle de tête. Hein? J'ai eu comme une vision. Tiens, prends le manteau. Tu es gentil. Comme ça, on sera en sécurité. Ouais. Au revoir. Sois prudent, Simba. Mes amis. C'est toi qui commandes maintenant? Oh, moi, je vais pas t'obéir, tu sais. Et moi non plus. Il faut bien un chef. Alerte! Alerte! Oh, hein? Cette fois, nous les tenons. S'ils attaquent, venez vite vous mettre sous le manteau. On arrive! Oui. Regardez! Ouais. Ça n'a pas l'air de marcher. Je savais que c'était facile. Simba a peut-être oublié de te donner le mode d'emploi. Tu devrais tâcher de t'en souvenir. Oh, mais non, il ne me l'a jamais donné. Oh! Il faudrait trouver un moyen de s'en sortir. Surtout que moi j'ai faim. C'est que ça devient une situation sans issue. Simba ne revient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ce grand manteau rouge? Hé! Moi, je crois qu'ils sont devenus fous. Faut quand même faire attention. C'est peut-être magique et dangereux. Et si on essayait de se sauver en se faufilant? Mais ils nous entourent. Attention, ils se rapprochent. Ils vont nous sauter dessus, vous allez voir.
là, c'est effrayant. Ah, vous savez, je peux être très méchant. Ma balle. Simba. Couturions-nous, on va le chercher. Ce sera un refuge très sûr. Simba, vite, la hyène et les singes ont attaqué nos amis. Hein? Laissez-moi, je vous en prie. Simba est arrivé. Ah, Simba. Simba, à l'aide. Simba, le manteau, vite. Regarde. Attendez. Ça alors. Oh. Vous voyez, maître, on les voit plus. C'est de la magie. J'ai l'impression qu'ils sont passés de ce côté-là. C'est le même coup que tout à l'heure. Eh oui. Il n'empêche que c'est ça. On les retrouvera. Oui, maître. Ah, je te conseille de les chercher. Ah! Il va mieux, il réclame sa balle. Vous voulez bien jouer avec moi à la balle? Ce serait gentil de votre part. J'aime tellement jouer à la balle. Comme il est touchant. Oui, oui. Oh, pauvre boule. Oui. Dors bien, petit. Je vais aller inspecter la caverne pendant ce temps-là. C'est une bonne idée. Du courage, Simba. Tu sais bien que tout le monde compte sur toi ici. Il faut que nous sortions tous sains et saufs de cette terrible aventure. Alerte! Ils sont devant l'entrée de la grotte! Est-ce qu'on attaque tout de suite? Non, on va attendre demain matin. Poussés par la faim, ils sortiront et à ce moment-là, je les tuerai. À vos ordres, grand maître, je vais prévenir les autres.
sens de l'air frais. Il doit y avoir une autre sortie. C'est sûrement par ici. Ah, oh! Simba vient de faire une découverte. La grotte dans laquelle il s'est réfugié avec ses amis possède deux issues. Ils pourront donc s'enfuir et échapper ainsi à leurs féroces poursuivants. Dans le prochain épisode, vous verrez ce qu'ils découvriront. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous vivons ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici. On se surprend, on se fait peur, on sourit. On fait la course, on se faufile partout et la nuit. Notre mère, c'est une autre maman, Arbor et notre papa. Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. Alain le joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.